pas trop parler, s'il vous plaît. Ouais. Oh là là, putain, les gars! Putain! Pardon, GG! Ouais, bon, tant pis. Démarrez doucement, les gars, que vous êtes au départ là. Mettez la. Filet de gaz! Il y a des dégâts à l'arrière, même. Sérieux? Ah oui, ça m'a marqué des dégâts légers à l'arrière. Putain, désolé. Ouais, bah c'était du charme. Ouais, j'ai vu ça. Pas mieux que tout à l'heure. J'ai défoncé, j'ai évité 3 bagnoles. Oh, bonjour à tous. Allez, bonsoir même. On se retrouve de nuit cette fois-ci. Pour la même course. Ça a l'air hyper dur. On a fait un restart en partie à cause de moi. Puisque j'ai fait un tout droit et j'ai embouti tout le monde. C'est tasser, c'est dégueulasse. Pas ma soirée. Y'a des radars, merde. J'avais fait une bonne qualif en partant 15ème. On est toujours 15ème. Et je sens que ça va être beaucoup plus dur. Ah, je sais pourquoi ça va être dur. Comme j'ai tapé la voiture tout à l'heure qui s'est montrée avant moi, j'ai pas de feu. Ça va être compliqué. Attention la Merco! C'est que j'avais éteint mes feux, mais quel débile je suis! On voit mieux quand même! Oh quel tocard! Pas évident le premier freinage, pas beaucoup de repères. Et on se retrouve encore avec notre ami Chris. Ah, c'est tellement plus facile avec les feux. Ils vont croire que je leur ai fait la fameuse blague où j'avais dit que ma voiture ne la verrait pas si je mettais pas mes phares. Qu'est-ce que je suis lent? Mais qu'est-ce que je suis lent? On aurait fait sauter le bouchon. Oh putain.
n'importe quoi. On a Coria qui est derrière nous, je pense qu'on va pas batailler, il est beaucoup plus fort que nous. En plus, faut être honnête, je suis pas encore du tout à l'aise pour le moment. Alors plutôt que résister et se foutre en l'air, on va le laisser passer si vraiment il a l'opportunité. Archeo, je t'ai pas touché. Il est mute, Archeo. Sur la Vernus, intérieur droite. Putain, fait chier, quel embout. Ah, quel con. Je commence à retrouver un peu mes repères. J'utilise ça pour me rater. Le fait qu'il y ait eu un restart, je suis pas sûr que cette course-là soit puisse être streamée. Enfin, si elle l'est pas, c'est un peu à cause de moi.
là 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 là. Les pressions de pneus sont beaucoup trop faibles. Soit je roule pas assez vite, ce qui est le cas, soit surtout le fait que ce soit nuit, comme je n'ai pas changé mon setup, la piste est beaucoup plus fraîche. Les pressions ne montent pas assez. Il va falloir que j'arrive à accélérer un peu. C'est vraiment long. Comment on se retrouve? Bah alors, ça fait une fois. Ah, j'ai un nouveau trait, putain, j'étais 6ème, je suis dégoûté quoi. Moi, je suis bien dégoûté du départ. Ah, mais j'ai réussi à passer entre les mailles. Bon, là, je crois. Puis là, j'ai fait une glissade de merde sur un vibreur. Déjà, t'as le mec qui était pour moi, la Ferrari, exactement la même que la première, le premier départ, il démarre presque à l'autre. Oulala!
Putain, je suis calé. C'est des appels de phare, mais non, c'est mes phares. C'est broyé, j'ai jamais eu ça. De toute façon, on va trouver sur une partie. Plusieurs personnes. Ouais, bah, moi, c'est un peu pareil. Je me suis fait couper, j'évite l'autre, il tape le cul, il y en a un autre qui ralentit. Ah, il tape. Et d'ailleurs, là, ça le coup. Je crois qu'on est en 45. T'as des dégâts, Pio? Bah je sais pas si tu veux, au départ je me suis tamponné par un mec. On voit ça à la fin, ouais. S'il vous plaît. Arkeo m'a fait peur.
c'est déjà la moitié de la course, incroyable. C'est tellement plus dur la nuit, il faut se concentrer et le temps passe vite. Je vais se concentrer, je me rate, c'est ça quoi. C'est parce que je parlais. Thank you.
suis hyper concentré. Il reste 13 minutes. Et je suis 5e. Là. Je pense qu'on peut pas perdre l'arrière maintenant. En tout cas, 9 minutes à peine. On va dire 5 tours, je pense, 5 ou 6 tours. Il reste 24 litres d'essence, ce sera largement suffisant. On est trop loin pour aller chercher une Furnus, on a presque 10 secondes de retard. Et derrière, on a 8
secondes 3 d'avance sur le 6ème. Donc, comme on dit, il faut juste qu'on amène la voiture jusqu'à la ligne d'arrivée. On va se concentrer, on reste calme. Ça serait un super résultat. Encore une fois, je m'excuse pour le restart de la première course, de la deuxième course, pardon. Je sais que je suis pas le seul à avoir raté le freinage, mais en tout cas, je suis un des fautifs. Excusez-moi à tous les participants, notamment à GG, à qui je suis rentré dedans. De toute façon, dans le Discord, je mettrai un petit mot pour m'excuser et expliquer ce qui s'est passé. Je m'excuse d'ailleurs de Patty Mike qui du coup a quitté la session. Vous allez rire, mais je commence même à avoir mal au pied gauche quand j'appuie sur le frein comme un ours. Je commence à en avoir mal sous la plante des pieds. Alors qu'en tout, ça fait même pas 3 heures de course entre les essais, les qualifs et les deux courses. Et on, je suis pas prêt pour l'endurance. Hein. Allez, on va se reconcentrer parce que là, on peut pas des très très bons tours. Cinq minutes et je vais plonger la tête dans le congélateur. Je l'ai perdu, vas-y passe. Désolé. Non, c'était dommage. Dommage, ouais. Putain, t'as la fin là. Putain. Tout que sur la Porsche, on revenait bien là. Ah, c'est beau. Ouais, je perds une place. Y'a pire. Qui me ferme les deux freins.
Ouais, je me suis complètement raté. Fou à l'extérieur. On s'en fout, le plus grave c'est que j'ai failli perdre la voiture alors qu'il reste plus qu'un tour. Alors, comment dire pas, c'est que je suis en train d'essayer de faire mon meilleur tour. Donc je pousse un peu. Vous me direz, c'est complètement débile, mais ça m'amuse. Et ce sera mon meilleur tour. Allez, dernier tour, on va vraiment l'assurer. 10 secondes d'avance. Donc le fait qu'il y ait un restart, je le répète, je suis pas sûr que la course sera streamée. Si elle est streamée quand même, par Luc, je mettrai le lien dans la description. J'étais revenu à 6 secondes d'Infernus quand même. Ah oui, il est là-bas. Bon, je pense qu'il assure lui aussi. 4ème place, c'est pas mal. Et on aura fini moins loin que la première course, je crois. Je suis très content de ma course, très content du résultat. Mais... j'ai un regret quand même, c'est d'avoir foutu en l'air le premier départ. Je suis sincèrement désolé. C'est pas du tout mon genre. Et voilà!
et B. Elle est belle la panthère rose. Oh putain. Les courses de nuit, je sais pas si on va en faire trop souvent. Moi franchement j'ai bien aimé. Oh moi ça me dérange pas mais au départ il y en a qui sont largués quoi. Bonne soirée à tous.